Madame Afin Guesson et Yvonne Boabré donnent de la joie aux enfants de Gonzacville. Yvonne Boabré Abalé, vice-présidente du FPI chargée du district Abidjan Sud, était le mercredi 22 décembre 2021 dans la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier Gonzacville, à la cité Éléphant pour un arbre de Noël à l'endroit des tout-petits. Elle a donné de la joie aux enfants pour qui la fête de Noël constitue un symbole. La vice-présidente représentait pour la circonstance Madame Angeline Kili, épouse Afi Nguesson, marraine de la cérémonie. C'est dans une liesse de joie que les enfants de la cité ont accueilli Maman Yvonne. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait, l'applaudit, on s'est les mots, on l'applaudit, c'est bon. Voilà, les mamans aussi, on s'était levé, voilà. Merci. L'activité a été marquée par des concours de danse. De Bagnon et de Talois Clamant. Le choix des vainqueurs n'étant pas aisé pour le jury, de circonstances qui n'étaient personne d'autre que les enfants eux-mêmes, le maître de cérémonie Jean-Claude a décidé tout le monde vainqueur dans toutes les disciplines. La partie la plus entendue par les bambins était la remise des cadeaux. En présence de Papa Bonao, président du CDQ de la cité cocotérée voisine, la représentante de la marraine, Madame Boabré, en vrai maman Noël, a procédé à la remise symbolique des cadeaux. Elle a exprimé sa joie d'avoir pris part à cette action sociale pour la Noël des enfants de Port-Boué. Le Fonds populaire ivoirien, la politique du Fonds populaire ivoirien, c'est l'homme. L'homme représente la politique sur le plan social, sur le plan moral. Et cette fête, une très belle fête, parce que les enfants, c'est le futur de demain. Si on peut apporter un peu de joie aux enfants, je pense qu'il faudrait au bout de temps pour leur apporter. C'était un député de la commune de Dubourg. Chaque année, je faisais l'arbre de Noël. Mais la première année, j'ai fait l'arbre de Noël, j'ai donné des cadeaux aux enfants. Il y a une petite fille qui a pris la parole pour me dire « Maman, merci ». Est-ce que tu sais que tu n'as jamais eu un cadeau? Donc ce genre de cérémonie, quand on m'appelle, je prends mon temps pour venir, pour parler aux enfants, pour partager un petit truc avec les enfants, parce que c'est important, ils en ont besoin. Et quand les enfants voient ça, ils sont contents. Or, une mère que je suis, je dois faire la joie des enfants. Donc c'est surtout tout ça qui m'invite aujourd'hui à venir jouer avec les enfants. C'est pas trop politique, mais les enfants c'est le futur, les mamans sont là, les papas sont là, et quand on arrive comme ça, tout ça c'est le recrutement. Au nom de Madame Afin Guesson, elle a remis une enveloppe de 150 000 francs au comité d'organisation. Les enfants étaient visiblement heureux d'avoir reçu ces cadeaux de la part de Maman Afi et Maman Boabré. Soumenele, soumenele.